Bonne nouvelle pour Haïtien qui là-bas. Ah oui, bonne nouvelle. Président Joe Biden a continué à faire que Haïtien content. Ah oui. Que Haïtien a continué content. Gouvernement Joe Biden nan gonti regard. Hein, gonti jet doux la baye peuple haïtien nan moment là. Hein. Ça a mérité, hein, yon bravo. Et ça fait chaque fois n'a prié, prié pour grand monde. Hein. Prier pour Joe Biden pour le pas commencer, pour le pas finir. Parce que il a toujours dit selon petit proverbe haïtien, n'a pas comprendre pi bien passé. En royo cherche en bas au mouillé. Hein, pas mandé m'explication, nous comprendre ça me le dire. Et ça a toujours dit messieurs dames américains yoyé. Pas mandé trop explication. Hein. Et bien pendant nous joignent ti opportunité a nous joignent chance là n'a prié pour grand monde faut que nous font ti prier pour Joe Biden pour bon Dieu mettez trois fois l'âge qu'il gagne là Joe Biden gonti jé doux gonti l'amour en bas k'ap déborder nan kè président Biden hein nou gonti caresse haïtien a bénéficier nan main gouvernement Joe Biden. Eh bien, priez pour Joe Biden fait 150 ans encore. On demande bon Dieu pour bénir. Bénir président. Information, question TPS la prolongée jusqu'à 3 août 2024 qui permet environ 107 000 bénéficiaires actuels pour conserver dossier TPS jusqu'à mois août 2024 qui vient là. C'est un communiqué département de la sécurité intérieure publié mercredi qui saute 25 janvier 2023 là. C'est une bonne nouvelle pour tout haïtien qui sous TPS là. Axi la yo tout qui poko bénéficie TPS yo pour yo profiter à l'inscrit et réinscrit dans cadre prolongation ak redésignation Haïti pour 18 mois supplémentaires. C'est une prolongation cap sorti 4 février qui vini là pour al bout 3 août 2024. Note ça sorti directement dans bouche secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. Bénéficiaire actuel TPS yo doit al prolonger statut légal yo dans une période de 60 jours sorti jeudi 26 janvier jusqu'à 27 mars 2023. DHS, département de la sécurité intérieure reconnaît tout le monde qui est réinscrit, il pourra le recevoir peut-être, un nouveau document autorisation emploi. EAD, avant même EAD qui n'a meilleur, expiré 3 février qui pourra le venir là. Font gens pressé, al réinscrit. Zami qui sont en Chili, zami Brésil, zami haïtien qui sont en Argentine, zami qui sont au Mexique, débouté guetan, rivé 6 novembre, ou bien t'es là avant 6 novembre 2022. Ou même ou éligible pour capable appliquer pour TPS ça. Ça c'est une bonne nouvelle. Zanmim, gagnez yon ti gwo an men nan information ou tout. Gagnez yon ti gwo an men mais qui pas trop piqué. Yon l'autre côté, en pile zanmi gen gwo kè sauté pour processus nouveau programme parole humanitaire gouvernement Joe Biden nan a exécuté pendant période ça. Gagnez 20 états qui prend décision pour soulever contre nouveau programme parole humanitaire dans l'idée pour dire programme ça c'est un programme illégal et tout le monde qui arrive rentrer pendant programme ça yo rentré États-Unis illégal c'est 20 états qui mettent tête ensemble qui déposer une plainte alors bien entendu c'est une plainte qui déposer mais ça pas veut dire que programme ça li campé malheureux pas gagne chance deux fois puis écoute prend devant. Si vous pouvez appliquer, profitez pour appliquer pour une famille, un petit cousin, une petite cousine, un tonton, une tante, une petite, pour être capable de bénéficier du programme Parole Humanitaire. Le programme n'a pas campé, l'a continué, mais il y a plein de kipotés, ça qui arrive, capable de gagner, il y a un arrêt temporaire sur le programme. Mais pendant un petit temps, vous êtes capable de continuer à appliquer pour la famille. Moi-même, c'est Inelus. Iné Bakop. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour me là avec vous. Pas oublier, partager et abonner. Ça fait un plaisir en pile. Pendant que je vais quitter avec avocat qui connaît le domaine ça très bien,
qui pral bon tout détail dans bon timami. Bonjour, bonjour et bonsoir à tout le monde qui a pu suivre nous. C'est Dr. Gabo de IFSI USA et nous connaissons que gen pile cœur sauté, gen pile cœur cassé, gen pile parole qui a baillé la rue à cause de décisions que 20 États prennent pour que vous mettez un blocage sous programme que nous relais parole humanitaire, programme exception humanitaire pour 4 pays qui gagnent Haïti, Venezuela, Cuba et Nicaragua. Oui, c'est vrai que gagnent 20 États qui prennent décision ça, qui bon que yo fal ça que les lossou. Ça veut dire que yo allé, yo organisé ensemble et puis yo mettez yo papier qui mandé, qui pral mandé pour yo capable sous le gouvernement américain, spécialement département Homeland Security avec USCIS à cause de programme ça que yo té sous pied et argument que yo bala c'est que yo dit programme pas légal, yo dit que programme nan violé constitution etc etc. So ça moi vinn di nou là aujourd'hui hein, c'est que d'abord premièrement une bagarre que m'a demandé nous tout le monde qui a pas folé yo, tout le monde qui réellement est découragé qui a battu n'a dit premièrement n'a pas dit bref. Yes c'est un problème lié. Oui c'est une attaque à programme nan. Cependant jusqu'à la parler avec moi programme nan still en cours. Programme nan pas campé, yo poko dit que programme nan campé. OK? C'est ça que fait premièrement ou même qui t'a fait une application dans programme ça n'a mande continuer faire continuer mettre application et ou même qui recevoir papier pour voyager de Haïti étant voyager le plus vite que possible qu'on pas voyager voyager pour qui raison fait nous tout ça parce que comme moi dire c'est une plainte que yo déposé nous connaît que bon process légal là veut dire que l'on dépose une plainte devant un juge et malheureusement juge choisi hein son juge que ancien administration Trump là mettait en place. Ça veut dire que nous déjà connaît que c'est parce que lit en faveur de eux même c'est ça que fait c'est devant juge Joe Tipton que eux mettait programme là. Ce connier là nous se parler depuis matin là n'a parlé avec tout gros avocat yo et avec tout gros advocate yo pour nous demander exactement qui ça nous a espéré à partir de nouvelles ça qui sorti hein. Yo dit nous mais ça qui a passé premièrement plainte en déposé kounya sak passé yo capable mettre sacrelé yon un hold temporaire ça veut dire que yo capable mettre un arrêt temporaire sous programme là et ça capable passer at any time ça veut dire que jodi an demain un jour une semaine deux semaines yo capable mettre yon sorte de arrêt temporaire sous programme là ça veut dire que yo mandé pour juge là camper pour yo mandé pour gouvernement camper programme là jusqu'à ce que nous décision prend. C'est ça que moi dis pour le moment on a parlé avec moi programme dans style on programme pas campé. Encore une fois, sous tu mettre une application, continue mettre. Sous recevoir et autorisation de voyager rapide presto. Pour que raison normalement de pour gagner et papier de voyage, normalement il pas supposé empêcher au voyager. Mais le fait qu'on a deal avec des monde qui réellement des sentiments anti-immigrant ou pas j'aime connaître ça que si jamais que vous gagnez papier de voyage ou nous vous voyagez. Quand il y a ça qui va passer, vous pouvez aller déterminer si oui ou non vous mettez un arrêt temporaire sur le programme. Nan. Donc si vous mettez un arrêt temporaire, ça veut dire que vous pouvez montrer que le programme a tellement causé problème pour l'État ça yo et que yo sûr et certain que l'État ça yo qui mettait plainte ça yo pas le gagner c'est ça qui capable autoriser ou mettre arrêt ça mais pour le moment pour qu'on gagne arrêt pour le moment programme là a continuer mais again nous connaît que n'a deal avec des monde qui gagne réellement des sentiments anti-immigrants tout est possible c'est ça que nous même nous toujours dit depuis le programme a commencé nous dit marcher rapide fait vite, fait presser, parce que again, nous connaissons que nous avons deal dans un landscape qui n'est pas réellement easy, qui n'est pas réellement favorable à et immigrants. Donc nous voulons dire encore une fois, si vous même en Haïti, vous recevez autorisation de voyager le plus vite que possible, sous capable de faire ça, le plus vite que possible voyager, et si vous même mettez une application pour le monde, continuez cette application. Dans la semaine, ça a fait, nous avons parlé avec plusieurs gros avocats, plusieurs monde qui dans domaine ça nous pral faire une conférence de presse avec eux c'est pour capable répondre toutes questions que vous gagnez sous affaire plainte ça
que 20 états ça yo mettez. So ou mettre rete connecté avec IFSI parce que n'a pas chercher information pour vous là. Bon gentil mamite pour nous prendre pour vous parce que nous pas bon information que nous pas connaît. C'est ça que fait n'a invité 2-3 gros avocats yo pour yo venir pour que yo capable aider nous pour que nous répondre à question yo. Ça c'est première partie. Deuxième partie que nous voulons parler avant aujourd'hui, c'est TPS. Nouvelle là, sortie aujourd'hui, que à partir de demain, 26 janvier, vous êtes capable de commencer à appliquer pour TPS. So, vous connaissez que TPS a deux phases. Ok? Il y a des gens qui ont TPS déjà, qui pourraient enregistrer. Ça veut dire que vous allez retourner pour mettre l'application pour être capable. Continuer rester sur TPS là et gen moun nouveau yo qui était là qui pas ko jam gen TPS après 29 juillet 2021 jusqu moun qui était dans pays an. Malheureusement jusqu'à présent yo kembe date 6 novembre là que nous te disons que ou t'es dans pays an de 6 novembre et continuer rester dans pays an so moun sa yo pral appliquer pour la première fois pour TPS. Donc à partir de demain ou même qui t'es gen TPS ou capable aller enregistrer et ou même qui peut jam TPS ou commencer à mettre application pour TPS parce que li ouvri pour 18 mois la date là c'est 4 février 2023 jusqu'à 3 août 2024. Ça veut dire que la gagne pour 18 mois et ou connaît log TPS tout ou capable appliquer pour papier de travail etc pour capable vivre dans le pays. So période de re-registration pour monde qui te gagne déjà la commencé dès demain 26 janvier hein, et il y a baou 60 jours. Ça veut dire que si tu gagne déjà ou gagne 60 jours, la commencé 26 janvier, la fini en mars 26 mars. Ça veut dire que vous gagnez exactement 60 jours pour aller re-register. Mais ou même qui pour la première fois qu'a fait, ou gagnez pratiquement toute période là 18 mois pour que vous capable mettre application. Donc encore une fois, IFSI là pour l'accompagner depuis matin là, nous étions en contact avec toute une autorité yo premièrement pour nous dire qui ça nous a fait, qui mobilisation nous capable faire, qui gens nous pral réagir par rapport avec et jugement ça et amen plainte ça qui porter atteinte à programme nan, que nous connaît qui était réellement porter en pile joie à communauté haïtienne nan. Donc nous pral garder pour moi qui ça qu'a fait, n'a vini avec tout expert yo pour répondre question mais pour le moment nous voulons dire comme ça que pas faire cette show pigor panique gen moun ki t'a rele me dit comme ça que je senti que t'a fait mal gen moun ki t'a dit que yo a praché gen moun ki dit me décourager tant pri rete calme l'on bagay comme ça passer ou pas affoler rete calme et puis nous même bon côté pa nous n'a porter bon gens information pour vous. So deux bagay trois bagay nous besoin rappeler rapidement je dis c'est que premièrement mettez application sous recevoir autorisation de voyage. Voyager immédiatement, pas perdre du temps. Ça veut dire que si vous avez un pour voyager l'autre semaine, si vous pouvez mettre demain, après-demain, mettez-le juste au cas où. Parce que les gens sont méchants, ils sont capables d'éliminer tout ça que vous faites. C'est ça que nous avons besoin sûr que vous êtes en vini. Et puis troisièmement, processus de TPS pour capable enregistrer à commencer demain 26 janvier hein, pour moun ki te gagne déjà pour 60 jours et moun ki pou gagne yo yo gagne tout 18 mois pour capable faire. So IFSI USA chita nan la cour amen nous à travers l'état de Massachusetts mais nous travaillons avec haïtiens en général pratiquement à travers le monde et main office nous chita nan 1626 Blue Lab de Marapen. C'est là que nous servi compatriotes nous avec respect avec dignité. Donc continuez suivre Facebook page nous tout l'autre social media nous là tout l'autre continuez suivre restez en contact avec nous et puis n'a pas connait dès demain n'a pas avec expert yo qui va répondre toutes questions en termes de qui étape parce que montre nous gagne plusieurs étapes le yo mettez une lossou gagne plusieurs étapes pour attendre. Premièrement c'est ça que nous relé préliminaire ça relé injonction qui va que demander pour mettre un rôle temporaire là le mettez le gouvernement lui même capable à pile. Ça veut dire que nous n'avons pas d'accord et puis bataille. Ça veut dire que nous avons une pile bataille entre Mounsa et Tassayo avec le département Homeland Security et le gouvernement Biden. Nous avons back and forth jusqu'à ce que une décision finale tombe. Mais ça nous fait dire que le gouvernement est déjà attendu à ça. Le gouvernement est attendu que depuis le programme comme ça, il connaît que les républicains qui en général pas tellement pro-immigrants
aller contre Karel. Ça veut dire que nous, je suis certain que eux-mêmes, ils ont déjà gagné un bon plan de bataille pour que ils attaquent, ils contre-attaquent ça qui passe. N'apprêtez avec tête calme, tête reposée, n'a cherché information pour nous parler pour vous et pas oublier, suivez nous, restez, partagez, faites nous connait pas affoler parce que n'a bataille jusqu'à ce que nous ayons victoire là. Merci beaucoup.